Bonjour, alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques, que vous avez mangé du chocolat foison pour déstresser. Voilà. Et donc cette semaine, je vous propose un petit exercice alors, pour essayer de retrouver les sensations du réformeur. Je vous propose de travailler avec une planche à roulettes. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai pris un skate. Ça marche aussi avec tout ce qui a des roues. Donc je vous invite à bricoler ça si vous n'avez pas ça chez vous. Et du coup, il faudra une petite boîte en face, ou une chaise, ou votre canapé. Et donc voilà. Et votre tapis à côté. Et du coup, je vous invite à venir vous allonger sur votre planche. Et on va commencer par footwork. Alors, on vient s'asseoir le plus près possible. Donc pareil, petit coussin derrière la tête. Voilà, je ne sais même pas assez haut d'ailleurs. Réformeur, c'est remonté. Voilà. Je vais mettre une petite brique en plus pour que ça soit un peu plus haut. Voilà, parfait. Hop. Et donc, voilà, ça c'est parfait. Une fois que vous êtes calé, on vient se rapprocher et vous venez mettre vos pieds, donc vous vous souvenez, en V-pilate, c'est-à-dire ouverture naturelle de hanche. Et on vient serrer les talons très très fort ensemble. On vient approcher avec ses orteils. Et du coup, comme on ne peut pas poser les bras sur le support, on vient mettre les bras le long du corps et on les active. Comme si on repoussait un ressort. Et ensemble, en inspirant, vous allez venir allonger vos jambes complètement. Et donc l'idée, c'est de toujours garder l'activité musculaire derrière les cuisses. Et tout de suite, de venir retrouver la flexion de hanche. Je vous rappelle, dans le pli de laine ici, on vient laisser fondre les muscles devant la cuisse, comme si c'était l'arrière qui remontait. Voilà, l'idée c'est d'emmener l'arrière des cuisses vers le ciel, et on ramène le plus possible. À l'inspire, on vient ouvrir la cage thoracique sur les côtés, ouvrir la taille, sans laisser le dos se cambrer, et à l'expire, on empêche le bassin de se plaquer. Pour rappeler, hein, le pubis plonge vers l'avant entre les cuisses, pour maintenir le soutien derrière, on vient stabiliser à fond. Hein. Inspire, on allonge. Et à l'expire, soufflez. Voilà, imaginez comme si les fémurs se plantaient dans votre bassin pour ramener votre chariot qui roule. Et encore. Inspire, on allonge. Et souffle. Voilà. Et on va profiter de ce travail pour venir associer le mouvement des jambes à votre mouvement respiratoire. Voilà, comme si on avait un ressort intérieur, ce qu'on est en train de construire. On allonge les jambes et à l'expire, souffle et on raccompagne. Vous allez voir, ça va activer beaucoup derrière. Encore. Inspirez. Et souffle. On ramène. On va en faire encore trois. Voilà, jusqu'au bout des jambes et à l'expire, souffle. Donc, vous vous souvenez, quand on allonge les jambes, ce n'est pas le genou qui descend, mais en fait, on éloigne les ischions des talons. Les talons mur et les ischions viennent vers moi et c'est l'ouverture voilà de vos jambes qui déplie le genou, ce qui fait que votre rotule ne se bloque jamais et ce qui vous permet de rester en appui sur la boîte. Une dernière et souffle et on va venir placer les arches de pied ensemble. On serre très fort et on y va sur arch. On vous rappelle, on essaie de garder talon collé, malléole collé, genou collé, et à l'expire, souffle. Donc là, on n'est plus en ouverture naturelle, donc on a vraiment la sensation de visser les fémurs vers l'intérieur. Et encore, et je vous montre un endroit où ça plie, donc le fémur dans le bassin, à cet endroit-là, dans le pli de laine, juste à côté des parties génitales, mais c'est là que ça bouge. Voilà, c'est ça qu'on essaie de mobiliser. Et souffle, alors vous allez voir, c'est possible que ça réagisse dans les pieds, que ça crampe. Derrière les cuisses aussi, c'est normal, surtout que là on n'est pas aidé du ressort. Et encore, vous raccompagnez, encore, inspirez, on va jusqu'au bout des jambes, et c'est là on cherche à déplier la jambe, hein, pas bloquer la rotule. Deux choses distinctes, hein. Vous rappelez, la longueur de jambe, c'est des ischions au talon, et c'est cet espace qu'on est en train d'éloigner, ce qui n'a rien à voir avec descendre le genou. Voilà, n'oubliez pas, l'articulation du genou, ce qui fait sa puissance, c'est l'activité musculaire derrière. Si vous bloquez la rotule,
perdez l'activité musculaire et du coup ça sert plus à rien, enfin si, sauf se blesser en fait petit à petit. Voilà, ça c'est notre mauvaise habitude. Et encore, jusqu'au bout des jambes et on raccompagne. Une dernière, inspirez, on pousse et en soufflant, vous raccompagnez très bien. Et là on va venir mettre les talons sur la barre, c'est la même chose, on vient coller les pieds ensemble, on flex les chevilles à fond. Et donc là, on va appuyer très fort vers le sol, à fond. Et encore. Voilà, donc je presse vers le sol. Et comme si j'essaie de ramener toujours les talons vers l'intérieur du ventre. Et en soufflant, vous raccompagnez. Encore. Inspirez. On va jusqu'au bout des jambes. Et à l'expire, on ramène. Encore. Au bout des jambes, c'est ça. Et en soufflant, vous raccompagnez. De nouveau. Inspirez. Allongez à fond. Yes. Et expire. On ramène. Encore trois. Allez-y. Ce qui est dur, c'est de finir d'allonger les jambes. Voilà. Donc, c'est vraiment la hanche qui s'ouvre. Donc, la hanche, c'est l'ampli de laine. C'est, on ouvre les muscles qui sont devant la colonne et on ouvre le muscle de devant la cuisse. Voilà, c'est-à-dire les fléchisseurs qui s'étirent. Et encore, inspirez. Voilà, ça vient s'ouvrir. Et à l'expire, pareil, on essaie de laisser ça très cool. Ça s'engage à peine devant. Voilà. On essaie d'aller stimuler toute la chaîne postérieure. Et souffle. On accompagne. Encore trois. Inspirez. C'est ça, jusqu'au bout des jambes. Et souffle, on ramène. Encore. Inspire, on allonge. Jusqu'au bout des jambes. Yes. Et souffle. Encore deux. N'oubliez pas de garder les bras actifs, les aisselles assez hautes. Et souffle. Et dernière. Inspirez. Et souffle, on accompagne. Et là, on va venir mettre le devant des coussinets. Donc les orteils sont sur la boîte, devant des coussinets, devant la boîte. On tient avec les orteils et vous venez allonger vos jambes complètement et on vient enrouler. Donc là, c'est vraiment un mouvement des voûtes plantaires. Voilà, inspire, ça remonte, expire, on enroule. Et encore. Voilà, c'est un tout petit mouvement de fait. Et de nouveau, encore. Et souffle. L'idée, c'est vraiment de mobiliser les 33 articulations du pied de façon à structurer la spirale du pied. Donc ça va chauffer beaucoup. Hein. L'idée, c'est pas de pousser, c'est vraiment de s'enrouler. On veut rapprocher les talons des coussinets. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Et encore. Et souffle. Voilà, une dernière, vous remontez et on ramène complètement. Et donc, pour un endroit, je vous invite à venir remettre les arches de pied en V-pilates, on vient allonger les jambes complètement et en soufflant, on lève les bras vers le ciel et on vient s'articuler, on s'enroule et on vient faire one hand drop, petit battement. Et souffle, on se sert vraiment de l'activité musculaire des jambes sur la marche et en même temps, on vient bouger les bras, très dynamique. Et encore, inspirez et souffle, de nouveau. N'oubliez pas, l'objectif de cet exercice, c'est de venir allonger la taille, mais surtout créer du mouvement dans le ventre. À l'inspire, on doit voir le ventre s'élargir, s'épaissir, et à l'expire, on doit le voir changer de forme. Et encore. Et l'objectif est de remplir les deux poumons pleins, et à l'expire, de vider les deux poumons. Le temps des 5 battements, ce qui rend ça dynamique. Et encore. Dernière. Et on vient stabiliser. Et je vous laisse ramener le chariot. Le chariot qui roule complètement. Ok. On va venir passer sur le tapis. Donc, je vous laisse décaler votre planche à roulettes. Et on va faire comme si on faisait short spine sur le réformeur, mais sans les ressorts. Donc,
ça va vous demander un peu plus d'engagement. Donc on vient se retrouver allongé sur le dos. Voilà, tête à plat par contre cette fois-ci, les épaules très hautes. On vient serrer les talons ensemble. Et je vais vous demander, en inspirant, on va venir déplier les jambes. Donc là, on va plus à la verticale qu'à l'horizontale. Et à l'expiration, on prend appui dans ses mains pour venir s'enrouler. Et quand vous arrivez là-haut, on inspire, on amène les cuisses à la poitrine. Et en soufflant, vous redéroulez jusqu'en bas. Et encore. Inspire, on allonge. Et à l'expire, jusqu'en haut. Inspirez les cuisses à la poitrine. Et on vient réarticuler la colonne. L'objectif, c'est de réempiler vers le sommet du crâne. C'est pas de descendre. C'est le déroulement de la colonne qui pose les fesses, pas le fait de les descendre. Et on repart. Inspire, on allonge. Et à l'expire, on appuie. Inspire, on amène. Et en soufflant, on vient redérouler. Voilà, et on essaie de garder les poignets le plus possible. Si vous sentez que vous manquez de souplesse dans les bras et dans l'épaule, on peut mettre les tranchants de main. Et vous allez voir que ça va vous aider à pousser, non pas vers le sol, mais dans la direction des jambes. On inspire et en soufflant, on vient redérouler. Donc l'appui des bras se fait parce que vous poussez par là-bas, pas vers le sol. Et encore, inspire, on allonge, on s'enroule, amenez les genoux poitrine et en soufflant, on vient dérouler complètement. Et je vous invite à venir vous aider le quotidien, on vient s'enrouler pour coordination. On met les coudes de pied à 90 degrés. En inspirant, on allonge, on ouvre, on ferme, vous ramenez, on plie les coudes en deux temps. Inspirez, même temps, inspire toujours, et on souffle, et on finit d'expirer pour s'enrouler plus, et encore. De nouveau. Les bras sont parallèles au sol, et encore, inspire, et souffle. Encore deux. Dernière. Et on vient reposer. Ok. Je vous laisse poser la tête. On peut tourner de droite à gauche. Et on va venir rouler de nouveau pour venir s'asseoir. Et donc, un réformeur sans stomach massage, ça ne serait pas un réformeur. Alors, je vous laisse récupérer votre planche à roulettes. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle vienne contre, on vient s'asseoir le plus de bord possible. On vient céder en tenant la planche à roulettes et on vient mettre les pieds en vieille pilette. Et ensemble, inspirez, on allonge les jambes complètement, talon dessus, ça fait inspire, et à l'expire, on s'enroule. Vous avez vu, je suis assis sur l'arrière des ischions et je suis en flexion. Donc une flexion, c'est quelque chose qui monte vers l'avant. Vous avez vu, à aucun moment je suis en train de pousser dans le dos, sinon je suis en train de tomber. On est en train de rester là. Voilà, ce qui me permet d'avoir toujours cette sensation de rester cambré dans mon bassin pour que ma colonne puisse s'enrouler au-dessus. Et expire, je ramène. Et encore. Inspirez, on allonge. À fond. Dessous, dessus, et souffle. On ramène. Encore. Inspirez, dessous, dessus, et souffle. Et encore une fois, dessous, dessus, et on ramène. Alors, pour faire arms back, on va venir mettre les mains dans le bas du dos pour venir ouvrir la colonne, et on y va ensemble. Inspirez, dessous, dessus. Voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'épaule, et je viens maintenir le bas de mon dos. Voilà, pour l'aider à monter. Comme si je voulais le pousser vers le ciel. Et encore, inspire, dessous, dessus. Et on raccompagne. De nouveau. Inspire, il voilà, faut mettre du poids dans mes pieds parce que je suis en train de tout bouger. Et encore. Inspire, dessous, dessus. Dernière. Et on y va. On allonge à fond. Ok, arm stretching. On retrouve les bras à 45 degrés devant et ensemble. Inspirez, on allonge. Et en soufflant, on ramène. Encore. Inspirez.
Et on essaie de garder l'appui dans ses pieds. Tout le temps. Encore. Inspirez jusqu'au bout des jambes. Et souffle. Encore deux. Et soufflez. Dernière. C'est ça. Et on va pouvoir faire des twists. En même temps que vous allongez les jambes, on twiste sur le côté. Et en soufflant, on ramène. Voilà, comme si on venait trancher l'air. Oh là là, je suis en train de m'en aller. Yes! À mon avis, il y en a qui vont finir au bout du jardin. Et souffle, on ramène. Encore. Inspire. On déplie. Ramène. Une dernière de chaque côté. Ok. Et souffle. Une dernière. Aussi de l'autre côté. Et souffle. Très bien. Je vous laisse rattraper votre support. Et on vient juste faire un petit stretch. On s'appuie sur ses cuisses. Vous laissez les voûtes s'enrouler et la tête s'enrouler. Et on respire. Au max. À chaque expire, on se sert de la planche qui roule pour aller plus loin. Et en même temps, on essaie d'aller toucher le mur de côté. Et encore. Dernière. Et on vient ramener. Ok. Très bien, on va pouvoir se rallonger sur la planche complètement et on va venir faire running. Alors on se recale, petit brique derrière la tête, voilà, et une fois qu'on est ici, on vient placer les deux pieds parallèles, jambes collées, les bras se soulèvent, on inspire, voilà, et on vient articuler les voûtes. Voilà, donc il y en a une qui s'enroule pendant que l'autre presse vers le sol. Donc c'est l'occasion de trouver vraiment le travail de la jambe qui reste là-haut. Parce que souvent on a tendance à tomber dans la jambe qui vient en dessous hein, quand vous êtes sur le réformeur. Là, ça va vous aider à aller chercher la jambe derrière. Ça, c'est bien. Et encore. Voilà, et on essaye de faire une inspire, on monte, expire, on ramène. C'est un petit peu différent de la choré qu'on fait sur le réformeur. Et une fois que vous avez trouvé ça, on peut essayer de faire plusieurs mouvements sur l'inspire et plusieurs mouvements sur l'expire. C'est ça, encore. De nouveau, vous remontez les voûtes, à l'expire on ramène et on va pouvoir faire bottom lift. Donc vous vous rappelez, on vient essayer de chercher l'extérieur de votre support en ouverture plus que naturelle de hanche. Là, c'est comme un grand pied de danse. On décolle. Vous rappelez la hauteur d'un point et même chose. Inspirez, on allonge en serrant très fort les jambes et à l'expire, on raccompagne. Encore, l'idée c'est d'ouvrir les genoux à fond, tout le temps, à l'aller et au retour. En maintenant bien l'orientation du bassin à l'horizontale, on va jusqu'au bout des jambes et à l'expire, vous ramenez. Encore, inspirez, vous raccompagnez, vous allongez, pardon. Allez, si on ramène, on en fait encore deux. Voilà, l'idée c'est de ramener le plus possible. Voilà, si on pouvait toucher le point de départ, on irait. Et une dernière. Et souffle. Voilà. Et je vous laisse reposer les pieds à plat sur votre support, les bras le long du corps. Et vous fermez les yeux un instant. Voilà, vous pouvez laisser vos jambes s'allonger. Ok. Alors deux respirations complètes. Ok. Et je vous laisse venir vous asseoir. Et voilà, merci beaucoup en espérant que vous avez retrouvé un petit peu les sensations du réformeur. À très bientôt, le 11 mai a priori.